son visage, mais dans son cœur, il nous a tant aimés quand il est le Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, le roi des rois, oui, il est le Seigneur. Il est mort pour toi et moi. Voyez-le. La mort n'a pu le garder, mais où est-il? Il est ressuscité. Voyez-le. Il revient sur les nuées pour nous chercher, pour nous libérer. Ces lieux témoignent de la bonté et de l'amour de Dieu envers chaque sœur, chaque frère et chaque internaute qui participe au culte à travers le web. Il nous a permis de répondre à sa sainte convocation en vue de lui rendre un culte qui se veut agréable et parfait. La mort de Jésus, chantée par tout le monde, à la place de l'humanité déchue, est l'exemple parfait de son amour.
La mort de Jésus est l'exemple parfait de son amour. En guise de reconnaissance pour ce grand sacrifice, nous vous invitons à lui manifester notre amour en entonnant d'un seul cœur, dans un esprit d'adoration, les cantiques trouvées au numéro 95. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Et le numéro 63, ô bonne nouvelle, Dieu donne en Jésus. Levez-vous, sœurs et frères, et chantez avec vie ces paroles en l'honneur de notre Créateur. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son
Jésus,
Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine à la gloire de Dieu? Le temps court après nous, mais je dois d'une manière spéciale prendre une ou deux minutes pour remercier la coordination des chants d'aujourd'hui, parce que ça va absolument très bien avec le message d'aujourd'hui. Et le groupe Agapé commence avec l'amour. Frère Day parle de la mort et de la résurrection de Jésus, et tous les chants que les groupes de chants viennent de chanter, les chants s'accordent parfaitement avec le message. On dirait qu'ils chantent le message déjà. Toute la gloire soit à Dieu. Je dis merci au corps enseignant pour cette opportunité qui m'est accordée ce matin de prendre la parole au nom du Seigneur. Nous allons essayer de faire ça rapidement, vous parler du sang de Jésus. Inclinons-nous pour la prière. L'agneau de Dieu, toi qui as été immolé pour nous, pécheurs, tu nous as donné l'assurance du salut ce matin. Nous voici en ta présence. Nous avons besoin de toi pour pouvoir communiquer ta parole, que tu prépares notre cœur afin de bien vouloir la recevoir et de la vivre dans notre vie de chaque jour. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, nous vivons les dernières scènes de l'histoire de l'humanité avant le retour de Jésus-Christ. Le monde se demande qu'est-ce qui va se passer. Les attentats se multiplient dans les grandes villes. Les pays qui possèdent les armes nucléaires, frères et sœurs, font la démonstration de force. Mais laissez-moi vous dire ce matin, la plus grande force dans le monde n'est pas la force nucléaire, mais c'est le sang de Jésus. Il est vrai que les armes nucléaires sont assez puissantes pour détruire la terre, mais le sang de Jésus est assez puissant pour sauver l'humanité. Jésus est le Fils de Dieu, frères et sœurs, qui s'est donné pour sauver l'humanité. Il avait un corps d'homme. Son sang était typiquement au sang humain, comme tout homme, comme toute femme. Il avait environ 500 litres de sang qui coule dans ses veines et ses artères. Comme tout humain, son sang circulait à une vitesse de 60 km/h dans son corps. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le réseau sanguin de Jésus, comme tout humain, mesurait en moyenne 200 km. Tout comme son sang, tout comme mon sang et le vôtre, le sang de Jésus était constitué de 55% de matière liquide appelée plasma et 45% d'éléments qui constituent ce qu'on appelle les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Cependant, frères et sœurs, je ne peux pas vous dire son groupe sanguin, puisqu'il est la source de la vie éternelle. J'imagine qu'il était le donneur universel, car il offre son sang pour le salut de l'humanité. Il reste et demeure humain, bien-aimé, après sa résurrection. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité humain. Certains disciples ne croyaient pas que Jésus était 100% humain quand il ressuscitait. Tandis qu'il parlait de plusieurs apparitions de Jésus, Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi d'épouvante et de frayeur, le texte nous dit « Il croyait avoir vu un esprit ». Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que moi j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Et il en donna du pain à Jésus. « Est-ce qu'un esprit peut manger ? Je ne crois pas. » Jésus avait un corps d'homme.
Je vous donne toutes ces informations, bien-aimés dans le Seigneur, afin de vous rappeler que Jésus n'est pas un extraterrestre comme d'autres le pensent. Il est, il était et il sera 100% humain. D'ailleurs, Philippiens 2, verset 7 nous dit qu'il était en tout point semblable aux hommes. Il est l'unique homme à avoir donné son sang pour sauver l'humanité. Le sang de Jésus, bien-aimé, est mystérieux. Le sang de Jésus est le seul réellement qui peut transformer la vie de l'homme. En effet, frères et sœurs, la Croix-Rouge nous invite toujours, nous encourage à donner du sang pour sauver des vies. Il n'y a rien de mal à donner son sang. D'ailleurs, Jésus est le premier à le faire dans un contexte purement spirituel, purement salutaire. N'importe qui peut donner son sang pour sauver quelqu'un. Mais le sang d'un noir, bien-aimé dans le Seigneur, ne change pas la couleur de peau d'un blanc. Et si un pauvre reçoit le sang d'un riche, il ne devient pas riche pour autant. Cependant, une seule goutte de sang de Jésus suffit pour guérir toutes les maladies du monde entier. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus brise les barrières sociales, car Jésus a dit, en lui, il n'y a ni homme, ni femme, ni riche, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous et toutes égaux devant Dieu, bien-aimé. Qui t'aime du matin, bien-aimé, Gemoun, peut-être qui va t'apchiter à bon côté, ou du moins, si va t'apchiter à bon côté, mais matin, Jésus fait moun ou pas supposé rencontrer à laver pied au matin. Et ou même d'où que vous devoir laver pied li, parce que l'Éternel n'en lui même pas gagné, ni pauvre, ni riche, ni libre, ni esclave. Nous sommes tous égaux en Jésus-Christ. Le sang de Jésus brise les barrières sociales, bien-aimés. Son sang enlève aussi toute barrière entre l'humanité et la divinité. Afin que maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés du sang de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux chapitre 10, verset 19 nous dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par le sang de Jésus, nous avons la guérison, la purification du péché, le pardon, la réconciliation et par-dessus tout, nous avons la vie éternelle. Amen. Quand nous sommes malades, frères et sœurs, nous allons voir les médecins. Le médecin nous demande probablement une partie de notre sang, ou du moins le médecin fait un prélèvement sanguin. Ce prélèvement sanguin raconte beaucoup de choses sur nous. Pour déterminer notre maladie, il prend notre sang et il analyse, et le sang qu'il tire de notre corps dit beaucoup de choses sur nous, sur notre état de santé. Mais quand un médecin prend le sang, il lui amène beaucoup d'informations. Mais Dieu, c'est celui qui est le médecin par excellence. Il possède les laboratoires les plus sophistiqués dans le monde. Il a créé toutes sortes de médicaments pour sauver l'humanité et il a mis tous ces médicaments à notre disposition. Mais laissez-moi vous dire ce matin, dans son laboratoire, il n'y a pas de médicament le plus efficace que le sang de Jésus. Son sang est tellement efficace, frères et sœurs, une seule façon que tu fais pour approcher de Jésus, son sang a déjà guéri. Frères et sœurs, je peux vous dire l'histoire de la dame atteinte d'une perte de sang qui était une femme désespérée, affaiblie, sans avenir, sans perspective. Mais cette femme entendait parler de Jésus de Nazareth. Ayant entendu parler de Jésus, le texte nous dit, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le verset 28 nous dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle entend parler de Jésus, qu'il pardonne le péché, qu'il guérit des maladies, qu'il délivre ceux qui sont liés par le diable.
qu'il libère des possédés et qu'il ressuscite même des morts. Oui, bien-aimé, la femme atteinte d'une perte de sang entend parler de Jésus et sa perspective a changé totalement. Elle dit en son cœur, encore une chance, encore une dernière possibilité. Mais laissez-moi vous dire ce matin, entendre parler de Jésus ne la guérit pas. Parce que la guérison ne vient pas de celui qui parle, mais la guérison vient de Jésus de Nazareth. Ce qu'elle entend de ce qu'on dit de la vie de Jésus ne la guérit pas. Et ce qu'elle entend de Jésus ne fait pas de miracle pour elle ou dans sa vie. Entendre que Jésus pardonne le péché ne veut pas dire que ses péchés sont pardonnés. Entendre que Jésus donne la vie ne veut pas dire qu'elle, elle vivra éternellement. Entendre que Jésus guérit ne veut pas dire que sa maladie va être guérie totalement. Mais bien aimé, entendre ce que Jésus dit ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de réagir à ce qu'on entend, frère. La femme atteinte d'une perte de sang dit en son cœur, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Matin, bien-aimé, moi pas connais qui maladie qu'on souffrit, mais moi connais pas une maladie sans Jésus pas qu'à traiter. Elle ne croit pas qu'elle infectera Jésus si elle arrive à toucher ses vêtements. Elle ne croit pas que son impureté sera transférée sur Jésus si elle touche Jésus, mais elle croit de préférence que la pureté de Jésus la sanctifia. Elle ne croit pas que son impureté sera transférée sur lui, mais que sa pureté sera transférée en elle. Elle croit que sa pureté, sa sainteté, sa puissance sont assez grandes pour vaincre tout le péché et toutes ses faiblesses. La vraie foi en Jésus, bien-aimé, croit toujours au miracle de la foi. La vraie foi en Jésus ne désespère pas. La vraie foi en Jésus croit toujours dans la bénédiction qui vient du ciel. La femme atteinte d'une perte de sang se lève de son lit de malade et dit en son cœur, il quitte sa maison et se fraye un chemin parmi la foule et touche les vêtements de Jésus. Et immédiatement, le texte dit, immédiatement, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle fit sentir en son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant, frères et sœurs, la dame s'approcha du sang de Jésus de Nazareth, n'étant même pas encore versée pour le salut de l'humanité. Il s'approcha du sang de Jésus, de son vêtement, et elle est guérie immédiatement. Ce matin, tandis que nous allons prendre les emblèmes, le pain, symbole du corps de Jésus, et le jus de raisin, l'emblème de son sang, j'aimerais vous rappeler que le sang de Jésus est encore efficace. Ce qu'il a fait pour cette dame atteinte d'une perte de sang, il peut le faire pour vous ce matin. Il suffit de croire et de vous approcher auprès de lui par la foi. N'ayez pas honte de s'approcher de Jésus, bien-aimé. Il n'est pas là pour vous juger, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus n'est pas là pour vous condamner. Il est au milieu de nous pour pardonner nos péchés. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé dans le Seigneur, les sacrificateurs offraient des millions et des millions d'agneaux pour le pardon des péchés. Mais tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Apocalypse nous dit, il est le premier-né, le prince des rois de la terre qui nous aime et qui nous a délivrés des péchés par son sang. Dans Colossiens 1er verset 20, il est écrit que nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus. Il a voulu par lui nous réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre qu'est-ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le
sang de sa croix. Dans 1 Jean 1er verset 10, verset 7 de préférence nous dit que le sang de Jésus, que son sang nous purifie de tout péché. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Et Hébreux 13, verset 12, stipule pour dire que Jésus sanctifie le peuple par son sang. Non seulement le sang de Jésus de Nazareth nous pardonne et nous purifie, mais il purifie également notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant, bien-aimé. Quand on a sacrifié Jésus, il donnait un soldat à piquer son corps. Et le texte nous dit, il donna de l'eau et du sang. 1 Jean 5, verset 6 nous dit que Jésus est venu, non avec de l'eau seulement ou avec du sang seulement, mais il est venu avec de l'eau et du sang. L'eau est le symbole de la purification du péché et le sang, c'est le symbole du pardon des péchés. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et nous contredisons la parole de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de nos péchés, nous devrions être morts, bien-aimés, mais Jésus-Christ a donné son sang pour nous purifier. Bien-aimés, Dieu ne condamne personne. Au contraire, il a envoyé son Fils unique afin que tous soient sauvés. Et la Bible nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement n'est que la lumière, et c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Cependant, Dieu, dans son amour infini, nous offre le pardon pour nos péchés et la vie éternelle. Jean 3, verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset 17 nous dit, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dès le début, Dieu a fait comprendre à son peuple que le sang de Jésus apporte la réconciliation. Le sang de Jésus n'est pas la vengeance, bien-aimé. Le sang de Jésus n'est pas la punition. Le sang de Jésus, c'est l'amour, c'est la grâce, le pardon et la réconciliation. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mon frère, Jésus ne te condamne pas. Ma sœur, Jésus veut te pardonner. Il ne va pas porter un regard accusateur sur toi, mais il te donne une chance encore. Par son sang, il t'offre son pardon ce matin. Il veut vous réconcilier avec lui. Frères et sœurs, soyons réconciliés avec Dieu et soyons réconciliés aussi avec nos prochains bien-aimés. En parlant de réconciliation, j'aimerais vous rappeler qu'il existe un lien étroit entre le pardon des péchés et la Sainte Cène. L'un comme l'autre se fonde sur le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus est autant pour nous que pour nos prochains bien-aimés. Pour recevoir le pardon, nous devons aussi pardonner nos frères et nos sœurs qui nous font du mal. N'oubliez pas, dans Matthieu 6, il est dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Jésus a institué la Sainte Cène dans la perspective de son sacrifice. Il dit, « Ceci est mon sang, le sang qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Cette parole met en évidence le fait qu'il a consenti son sacrifice afin d'affranchir les hommes et des femmes de leurs péchés en offrant le pardon aux autres. Nous les encourageons à venir accepter le sacrifice expiatoire de Jésus. La Sainte Cène, connue également comme le repas du Seigneur, représente la plus grande expression
de l'amour de Dieu que le groupe Agapé vient de chanter pour son peuple. Il nous invite à pratiquer cet amour. Il nous invite à pratiquer cet amour non seulement envers nous-mêmes ou envers Dieu, mais surtout envers nos semblables. Par la Sainte Seine, nous exprimons également que nous souhaitons mourir avec Jésus, avec notre ancienne vie, et ressusciter avec lui par son sang. Jésus a dit, et Paul de préférence a dit, « Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais si Christ vit en nous ce matin, nous devons nous humilier comme Christ s'est humilié lui-même pendant en prenant une forme de serviteur. Il a lavé les pieds des autres, il a lavé les pieds de ses disciples. Si donc je vous ai lavé les pieds, dit-il, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et la dernière partie du texte est importante et il dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi je vous fais. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Bien-aimés, le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha il y a environ 200 000 ans, frères et sœurs, mais il n'a jamais perdu sa puissance. Il est encore efficace aujourd'hui, bien-aimés. Il peut encore guérir nos maladies et nos infirmités. Il nous offre le pardon des péchés, la réconciliation et la vie éternelle. Frères et sœurs, des fois on invoque le sang de Jésus sans même penser, sans même prendre en considération les acquis que nous avons par le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus, alléluia. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Bien, moun matin, il n'y a pas tape là, mais Jésus, par son sang, les a rachetés et les a mis ici. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. À chaque seconde, frères et sœurs, nous devrions dire merci à Jésus parce que son sang a été versé pour nous. Nous sommes rachetés. Nous sommes délivrés de nos péchés. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu. Nous sommes réconciliés par le sang de Jésus. Dieu n'est plus en colère contre nous, bien-aimés. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous possédons la vie éternelle. Nous marchons dans la victoire et nous sommes libres de servir le Dieu vivant. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Pour terminer, bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention sur plusieurs textes dans la Bible. Pendant que vous allez laver les pieds, méditez sur ces textes, lequel qui vous fait plaisir. Bien-aimés, par le sang de Jésus, nos péchés sont pardonnés. Et le texte nous dit, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28. Le sang de Jésus donne la vie à ceux qui le consomment. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point de part en vous-même à la vie éternelle. Jean 6, verset 53. Le sang de Jésus nous permet de demeurer en Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus, nous avons la victoire. Et il est dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le sang de Jésus, pour finir, nous donne le moyen d'accéder à la vie éternelle. Nous donne non seulement physiquement, en tant qu'humain, l'accès à la vie, mais il donne la possibilité à un groupe qui s'appelle l'Église de Dieu d'accéder à la vie éternelle. Et le texte nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, diacre, dirigeant, pour perdre le troupeau du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Donc maintenant nous allons nous préparer pour service d'humilité. Ce sont les diacres et les diaconesses qui vont vous dire
diriger, c'est à chaque rangée. Donc alors, vous allez faire ça dans l'ordre et la discipline, tous ceux qui vont participer au service de la communion. Donc juste avant de terminer, nous allons nous mettre debout et chanter au numéro 268 des hymnes et louanges. Je te contemple, je puis croire.
Poursuivons avec le numéro 48. Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers que ta voix a formé. Le numéro